En achetant Trans Mountain, les libéraux ont également acheté la ligne Puget Sound qui envoie du pétrole aux États-Unis. Et là, le ministère de l'Environnement de l'État de Washington est inquiet. Il critique les trous béants du plan présenté en cas de déversement. Ils veulent savoir quel est le plan si ce bitume lourd se ramasse au fond de la mer et menace des espèces comme le saumon ou les épaulards. Et là, il y a même un ultimatum. Ils donnent 60 jours aux libéraux pour corriger le tir. Écoutez, quand on parle d'environnement, les libéraux font même peur aux Américains. C'est pas drôle. Quand est-ce qu'ils vont prendre au sérieux la protection de l'environnement?